La victime se nommait Robin Hendricks, 28 ans. Pas de blessure externe. Le décès remonte approximativement à 16 heures. Apparemment mort de cause naturelle. Il avait reçu de la visite. Une femme, ça au moins c'est sûr. Je vais demander à ce qu'on relève les empreintes. Robin Hendricks. Eh oui, Hendricks, l'acteur de ciné. Il avait le rôle d'un prince extraterrestre dans son premier film. Un succès, ça l'a aidé à se faire un nom. Mais ça doit remonter à une dizaine d'années. Wow. Gilles, dis, tu trouves ça normal, toi? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Toutes ces morts étranges, ces enquêtes classées sans suite. Une victime, le corps atrocement mutilé comme s'il avait été déchiqueté par une bête sauvage. Une autre proprement vidée de son sang. Des meurtres semblables, des circonstances différentes. Mais un point commun. Toutes les victimes étaient clientes de la boutique du comte D. Pas de chance. Quoi? On a pratiqué l'autopsie du lézard, mais apparemment, il n'était pas venimeux. Et pour couronner le tout, c'est une espèce rare inconnue des ouvrages de référence. On n'a aucune preuve qui nous permettrait de poursuivre le comte pour violation du traité de Washington. Quant à Robin, aucun signe de traumatisme externe, pas de traces de drogue dans l'organisme. Les cosmétiques appartenaient à sa femme, mais ils sont séparés et elle a un alibi. Et apparemment, il n'avait pas non plus d'ennemis dans le milieu du cinéma. Léon, tu ne peux pas aller enquêter à Chinatown en employant la simple force. Hein? Là-bas, quand tu veux pousser, tu dois tirer. Ça devient une manie chez vous de toujours arriver à l'heure du thé. Peut-être parce que chez vous, c'est toujours l'heure du thé. Alors, compte, les affaires, ça marche? Nous n'avons pas à nous plaindre. Que puis-je pour vous? Robin Hendricks, ça vous dit quelque chose, peut-être? On a parlé de lui à la télé. Quel dommage, mourir si jeune, c'est vraiment navrant. Robin Hendricks faisait partie de nos bons clients. Il venait souvent et il avait fait l'acquisition d'une vingtaine de reptiles, dont un iguane, un anole et des lézards agamides. C'était sa passion. Et celui-là, il faisait partie du lot. On l'a retrouvé sur le cadavre d'Hendricks, mort lui aussi. Mort? Oh non. Cette espèce a pratiquement disparu. Cette pauvre bête était sûrement l'un des derniers spécimens encore vivants à la surface de cette terre. Peut-être, mais moi ce que je trouve étonnant, c'est qu'on n'a pas trouvé la moindre trace de poison à l'autopsie. Hein? Enfin, je vous en prie. Notre devise est vendre de l'amour, vendre du rêve et de la tendresse. Il ne s'agit en aucun cas de vendre du poison. Là-bas, quand tu veux pousser, tu dois tirer. Et je crois me rappeler que le comte a comme un faible pour les douceurs. Ça peut servir. Oh oui, j'allais oublier. Oh, 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 ce parfum, cet arôme, cela ne peut être que des biscuits champagne du Grand Hôtel de Marseille. Oh, ils n'en font qu'une trentaine par fournée. Les amateurs font la queue des heures dans l'espoir de s'en procurer. Inspecteur, sachez que cela me va droit au cœur. Si vous voulez mon avis, Robin a sûrement été possédé puis tué par un esprit. Un esprit? Il y a 10 ans de ça, grâce à son premier film, il a atteint les sommets de la gloire. Malheureusement pour lui, son succès fut de courte durée. Peut-être qu'il n'eut pas la chance de se voir proposer un rôle qui aurait relancé sa carrière. Ou peut-être tout simplement que le prince, malgré sa beauté naturelle, n'avait pas un vrai talent de comédien. On pourrait aussi penser que son image de héros sacrifiant sa vie pour sauver sa planète lui collait à la peau. Les gens ne voyaient plus en lui que le prince. Le prince avec ses grands yeux innocents, ses cheveux blonds étincelants sous la lumière. L'esprit du prince qu'il avait incarné a pris possession de lui et a fini par le tuer. Oh, arrêtez ça! Si les esprits pouvaient tuer les gens et s'en tirer comme ça, alors là, franchement, je n'aurais plus qu'à rendre ma plaque. Sérieusement, la dernière fois que vous l'avez vu, ça remonte à quand? Buvez, avant que ça ne refroidisse. Allez, répondez. Je crois que cela doit remonter à 2 mois. Bien le bonjour, comte. Mes respects, Votre Altesse Sérénissime. Non, s'il vous plaît, je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Mille excuses, je ne voulais pas vous vexer. Vous voulez sans doute de la nourriture pour vos petits compagnons?
Non, mais par contre, je crois que je vais me laisser tenter par un nouvel ami. Je croyais que vous aviez promis à l'impératrice de ne plus vous laisser tenter par ce genre d'achat. Oui, je sais. Je sais, je l'avais promis. Mais l'impératrice m'a quitté. Elle pensait qu'il valait mieux pour moi que j'épouse un serpent, un lézard ou un iguane. Le seul avantage, c'est que maintenant je suis libre de garder mes amis à sang-froid dans ma chambre à coucher si ça me chante. Condoléances. Nous avons reçu l'autre jour un spécimen exceptionnel. Peut-être voudriez-vous le voir. Suivez-moi. Eh bien, si je m'attendais à ça, j'ignorais que vous cachiez une fumerie d'opium. Cessez de me taquiner. Vous savez bien que je ne vends rien d'autre que des animaux. Prenez garde, ces marches sont traîtres. Nous y voilà. C'est un spécimen unique, mais vous faites partie de mes clients privilégiés. S'il vous tente, il est à vous. Qu'en dites-vous ? J'en dis que si c'est une plaisanterie, elle est de fort mauvais goût, comte. Certes, ma compagne vient juste de me quitter, mais de là... Votre Altesse, je vous en prie, regardez. Oh. C'est un lézard. Une sous-espèce d'une branche rare de la famille des Lacertilia. Et comme vous pouvez le voir, c'est un spécimen albinos. Oh. Jurez-moi que je ne suis pas en train de rêver. Mais je vous le jure. Tenez, allez, touchez-la. Voyez donc par vous-même. Oh. Allez, il n'y a aucune crainte à avoir. Bon, très bien. Je vous fais confiance. Non, c'est pas vrai. Oh, non, je n'y crois pas. La froideur de sa peau, sa douceur. On croirait de la soie. Enlevez-lui ce bandeau, je veux voir ses yeux. S'il vous plaît. Je suis désolé, prince, mais c'est malheureusement impossible. Mais pourquoi ? Elle n'est pas malade, j'espère. Non, elle est en parfaite santé. Cependant, et j'insiste sur ce point, vous ne devrez jamais lui ôter son bandeau. Vous ne comprenez pas, comte. Je veux la voir, je veux voir son visage. Je vous en prie. Selon d'anciennes légendes, cette espèce de reptile était jalousement gardée et les assassins utilisaient ces lézards comme des armes. Vous voulez dire qu'elle est venimeuse ? Eh bien, il est courant chez les reptiles de sécréter du poison. Et cependant là, ce serait quelque chose d'autre, quelque chose qui s'apparenterait à une sorte de pouvoir magique. De pouvoir magique ? Oui. J'espère que vous aimez la mythologie grecque. Voyant que la défaite était inéluctable, et pour sauver sa vie, un roi grec s'enfuit du champ de bataille. Mais il ne put échapper aux yeux des soldats ennemis. Ceux-ci voulurent s'emparer de lui. Mais à la place du monarque, les soldats trouvèrent une femme d'une remarquable beauté. Devant ce spectacle enchanteur, ils perdirent toute méfiance. Mais quand le premier des soldats croisa son regard, il fut sur le champ changé en statue de pierre. Et tous ses compagnons subirent le même sort funeste. Car tel était le pouvoir de cette créature. D'un simple regard, elle changeait les hommes en statue de pierre. Sa race porte un nom connu. Et ce nom est Médusa. Ah. Oh, c'est quoi ce délire ? Vous vous foutez de moi ? Robin a eu exactement les mêmes mots.
Votre Robin a pris un lézard pour une femme. Non mais attendez, soit il se drogue, soit il boit, soit il est malade. Je ne fais que vous rapporter la stricte vérité, inspecteur. Mais je ne vous oblige pas à me croire sur parole. Arrêtez de jouer avec moi. Moi, si j'étais à votre place, je sais ce que je ferais. Je m'achèterais un de ces ravissants moineaux javanais. Désolé, j'ai vraiment pas besoin d'un animal de compagnie. Oh mais si, ces eaux réduites en poudre vous feraient le plus grand bien. Hein? Au vu de votre irritabilité, vous devez sûrement souffrir d'un manque de calcium. Ouais, vous marquez un point. Bon, revenons à nos lézards. Robin l'a acheté, votre bestiole? Oui. Et le lézard semblait apprécier Robin, donc je me suis dit que je n'avais pas à m'en mêler. Ils semblaient être faits l'un pour l'autre. Tenez, voici le contrat de vente. Vous voulez peut-être le lire? Voici les trois clauses principales. Primo, l'acheteur s'engage à nourrir son reptile de fruits frais et de petits rongeurs vivants, et cela tous les jours. Secondo, l'acheteur s'engage à ne jamais montrer son acquisition à qui que ce soit. Tertio, l'acheteur ne doit en aucun cas regarder son animal dans les yeux. Si une de ces clauses venait à être violée, nous ne pourrions être tenus responsables des conséquences que cela entraînerait. Si vous êtes d'accord, je vous demanderai une signature. J'aurais besoin d'emporter ce document pour procéder à une analyse graphologique. Oh, mais je vous en prie. À propos, l'impresario de Robin nous a dit qu'il avait passé une audition. Une audition pour une importante société de production. Il semble que c'était 2 semaines avant sa mort. Une chance pour quelqu'un qui n'avait rien fait depuis aussi longtemps. Bizarre. À sa place, étant mauvais comédien, j'aurais depuis longtemps renoncé à mes rêves. Vous, peut-être. Mais je doute que cela ait été son cas. Ah bon? Et pourquoi ça? Réfléchissez un peu, inspecteur. Robin avait un rêve auquel il tenait beaucoup. On peut savoir lequel? Il avait une nouvelle raison de vivre. Alors, Médusa, ça te plaît? Même si elle ne peut pas parler, je préfère de loin sa compagnie à celle d'une pipelette hystérique. Bien sûr, elle ne peut pas voir. Mais elle n'est pas comme toutes celles qui ne s'intéressent qu'à mon physique. Elle n'est pas comme ces fans qui ne vous laissent jamais tranquille. Et plus important que tout, elle a besoin de moi. Sans moi, elle ne peut pas vivre. Médusa. Médusa, je te veux pour moi et pour moi seule. Allô? Ah, c'est toi, Albert. Oui, oui, moi, ça va. Bon, je t'appelais au sujet de ton audition. Eh oui, je sais, c'est pas un grand rôle. Mais bon, il faut que tu te remues. Tu peux pas continuer comme ça sans rien faire. Tu ne peux pas continuer à te prendre pour le prince de la couronne. Là, c'est peut-être ta dernière chance de t'en sortir. Je te rappelle que notre contrat se termine, que c'est bientôt la fin, Robin. Et il est hors de question que je te le renouvelle, sauf si tu arrives à décrocher ce rôle. En plus, dis-toi que sans l'argent de ta femme, tu vas avoir du mal à garder ton appart de luxe, ta collection de bestioles, tu vas devoir t'en débarrasser. Alors, si tu te décides pour l'audition, passe-moi un coup de fil. Ciao, mon grand. Ok, on va faire une pause. Et on reprend dans 5 minutes. Alors là, bravo. Tu as été parfait, Robin. Belle performance. Il n'y en a pas un dans le tas qui puisse se comparer à toi. Même les producteurs sont emballés. Quand je pense à cette bande de rats qui disaient que t'étais juste une vedette d'un jour... Oh, désolé, Robin. T'excuses pas. Tout ça, je m'en moque. Bon, en tout cas... Ça me fait plaisir, Robin. Je suis content de te revoir aussi motivé. Maintenant, tu n'as plus qu'une seule chose à faire. Enterrer ce type. C'est Toby Heimer, la nouvelle coqueluche des studios. Il n'y a pas de raison. Allez, champion, ne me laisse pas tomber. De toute façon, tu es le meilleur. Allez, troisième prise.
Je ne suis pas fait pour ce genre de compétition. Mais ça n'a aucune importance. Il y a tellement longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. Aussi sûr de moi. Je me sens vivant. Vraiment, je suis désolé, Robin. Mais je ne pouvais pas me douter que l'impresario de Toby était aussi la petite copine du producteur. Ça va, ce n'est pas de ta faute. On oublie tout ça. Hein ? Disons que je n'ai pas l'étoffe d'un grand acteur. Mais non, c'est ridicule. Et puis j'ai promis que je te trouverai un premier rôle, et je le ferai. Allez, grimpe. Viens, je vais te raccompagner chez toi. Non, je préfère rester seul. Mais... Merci pour tout, mon vieux. Robin ! Mais non, attends ! Robin. Je suis désolé. Je ne vois rien. Je suis incapable de te protéger, Médusa. Incapable. Tu es parfaite, Médusa. Tu es magnifique. Portons un toast. Je sais, ce n'est pas grand-chose. Mais nous devons célébrer ce jour. Le célébrer ensemble. Aujourd'hui, je fête mon anniversaire, Médusa. Oui. Et c'est avec toi seul que je veux le fêter. Je t'en prie, regarde-moi. Non, ne crains rien, je veux voir tes yeux, ton regard. C'est impossible! Un lézard tuant un être humain d'un seul regard, oh non! Si tel est votre avis, alors vous ne pouvez pas nous accuser d'avoir vendu un animal dangereux. J'étais ravi de vous voir. J'imagine que vous savez où se trouve la sortie. Alors à bientôt. Eh oh, attendez un peu, et Médusa là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle meure, elle aussi? Et le lézard? Qu'est-ce qu'il venait faire là, ce cadavre de lézard albinos? Ça, je dois bien l'avouer. Jamais je n'aurais pensé qu'elle pourrait le suivre jusque dans la mort. Oui, mais pourtant... L'homme qu'elle aimait était mort, tué par leur premier regard. Un regard assassin, oserais-je dire. Désespérée, anéantie, probablement a-t-elle voulu se regarder en face. Les yeux dans les yeux. Et elle en est morte, tuée par l'amour qu'elle éprouvait pour lui. L'âme de Robin était aussi innocente que celle d'un nouveau-né. Ce qu'il a vu lorsqu'il a plongé son regard dans celui de Médusa, c'était son reflet, et aussi la noirceur sans fin de son désespoir. L'enfant sage fait le bonheur de son père. L'enfant imprudent fait le désespoir de sa mère. Les biens matériels ne sont que peu de choses, on ne peut les emporter. Et leur existence est éphémère. Seules les valeurs morales... Ce qui reste des os de Médusa. J'ai pensé qu'il était bon que nos deux amoureux reposent ensemble. C'est mieux ainsi, non? Bah, quelle importance.
Mais en y réfléchissant bien, Robin a enfin trouvé la liberté, c'est ce qui compte. Et elle lui sert à quoi, sa liberté, maintenant qu'il est mort ? Il est mort ? Ça, je n'en suis pas aussi sûr que vous. Écoutez... On ne devrait pas mourir aussi jeune. Son premier film restera dans les mémoires. Un artiste aussi talentueux qu'El Gachi. On dit que ceux que les dieux aiment meurent jeune. J'attendais qu'il fasse... Et toute l'industrie du cinéma qui pleure sa perte. Il avait du talent, beaucoup de talent. Peut-être qu'on ne s'en est pas rendu compte assez tôt. Vous entendez ? Plutôt que de vieillir et de voir sa vie gâchée, mise en pièces, détruite par le monde impitoyable du show business, il a préféré vivre vite, brûler sa vie par les deux bouts et s'en aller avant de se réveiller de ses rêves d'enfant. Mais sa mort est surtout la naissance d'une nouvelle légende du cinéma. Une légende qui vivra à jamais.